State of Earth. Salut à tous et bienvenue pour ce Dayplaying aujourd'hui sur un jeu que vous connaissez forcément si vous avez, on va dire, allez, entre 20 et 25 ans à peu près. C'est Tekken 3, sorti sur PlayStation, la première du nom. C'est un jeu sorti en 1998, si je ne dis pas de bêtises, édité et développé par Namco, et c'est certainement, allez, le meilleur jeu de baston de la PlayStation 1. De la PSX ou de la PS1, vous l'appelez comme vous voulez, de la PlayStation, en tout cas la première du nom. Alors on avait plusieurs modes de jeu dans ce Tekken 3, pardon, avec le mode arcade qui vous permettait, en jouant avec tous les personnages du jeu, de débloquer par la suite d'autres personnages bonus, et en plus de voir les fins respectives de chaque personnage avec une cinématique de fin. On avait le team battle, donc combat en équipe. Time Attack, c'est du contre-la-montre. Survival, c'est un mode survie, on n'a qu'une seule barre de vie et il faut réussir à battre le plus d'adversaires possible. Et le Tekken 4, c'est une sorte de beat'em all, un peu version, on va dire, Street of Rage, mais on va dire plus en 3D, où il faut tabasser le plus d'ennemis possible et avancer dans plusieurs niveaux, jusqu'à arriver à la fin. Et on finit évidemment avec le mode entraînement et le mode option, hein, comme d'habitude, pour pouvoir modifier toutes sortes de choses. Moi, je vais jouer au mode arcade, qui est le mode classique. Et je vais jouer avec mon personnage favori, qui est Jin. Jin Kazama. Si vous connaissez un petit peu Tekken, vous savez que Jin, c'est le fils de Yun Kazama, qui était dans Tekken 2, et de Kazuya Mishima, qui est dans la série Tekken depuis le tout premier. Oh là là. Allez. Oh là là, ça me fait bizarre de rejouer à ce jeu, parce que... Et pourtant, je connais encore quelques coups, hein, mine de rien. Oh là là. Donc moi, c'est Jin, le mec en veste jaune et pantalon en cuir noir et rouge. Et là, je viens de défoncer Yoshimitsu. Round 2. Fight! Alors là, ça va être en mode de difficulté normale, donc c'est peut-être un peu facile. Surtout que je connais quand même le jeu. Mais... On a la possibilité de mettre plusieurs modes de difficulté, comme par exemple difficile, voire même extrêmement difficile. You win. Donc j'ai battu Yoshimitsu. Hein, chaque combat est composé de 2 rounds qu'il faut évidemment remporter si on veut continuer. Sinon, bah, c'est un peu game over quand même. Allez, ouais, je suis contre Lay, le flic. Regardez-moi ça avec ses petites menottes. Là, je l'aime bien quand même, mais bon, je vais le tabasser quoi qu'il arrive. Oh, et puis les musiques, écoutez ça. Les musiques sont vraiment énormes. C'est-à-dire que moi à l'époque quand je jouais à ce jeu, j'avais quoi, 8 ans? Là maintenant, là, j'en ai quand même beaucoup plus, hein, d'années qui se sont écoulées depuis, mais il y a quand même ces musiques qui restent gravées dans les mémoires, et ça rappelle tout de suite une tonne de souvenirs. Quand on invitait des copains à la maison pour se castagner, si ça se dit, si ce terme existe. Hein. C'est vraiment énorme, voilà. Hop, un petit uppercut. Bien comme il faut à Eddie, qui était Eddie Gordo, que je viens de tabasser, qui était l'un des nouveaux personnages du jeu, avec Shao Yu. Faut savoir qu'à l'époque, moi, j'avais découvert le jeu, enfin, j'avais pu y jouer, on va dire un peu en avant-première, grâce à l'époque, vous savez, les PlayStation Magazine. Et oui, tous les mois, à une époque, on avait les magazines officiels PlayStation qui sortaient, avec un CD de démo jouable, un CD de démo
voilà, avec des petits morceaux de jeu qui nous permettaient d'essayer les jeux qui allaient sortir dans le futur. Et ça, c'était vachement bien. Et bah, c'est grâce à ça que j'ai pu jouer à Tekken 3, genre, je sais pas, en septembre 98. Puis le jeu devait sortir le mois même. Enfin, le mois même. Le même mois, ou peut-être, allez, un mois après. Et je me souviens qu'il n'y avait que deux personnages dans la démo jouable, c'était justement les deux dont j'ai parlé, Eddie Gordo et Xiaoyu. Et Warang aussi, qui est un nouveau personnage du jeu, qui est un peu l'équivalent de Baek dans Tekken 2, qui fait du taekwondo. Moi, bah, pas à me casser les bonbons, lui, hein. Ah, j'ai raté mon super hypercute de la mort, comme ça, bah, j'arrive pas. Il veut pas se laisser faire. Je vais essayer de le faire, mais... Ah, il a esquivé. Et oui, parce que dans ce jeu, on peut faire des pas sur le côté, c'était une nouveauté dans le monde de Tekken et puis un petit peu des jeux de baston à l'époque. Allez, pam, pam. Et ce que je viens de faire là, on appelle ça des jungles. C'est-à-dire des sortes de combos, donc des enchaînements de plusieurs coups, qui consistent en un premier temps, à approcher l'adversaire dans les airs pour ensuite l'enchaîner de coups sans qu'il ne puisse rien faire. Voilà, bam, voilà, comme ce que je viens de faire. Voilà! Voilà! On a le petit énervé là, ouais. Qui est le fils de Lao Marshall. Ah ben voilà, j'ai enfin perdu un round. Je me suis fait battre par Lao. Donc je vais essayer de vite me rattraper parce que bon, pas terrible quand même. J'ai pas envie de me prendre un game over moi. Non mais oh. Oh, tu vas te canner le petit chinois là. Allez. Bon, tu vas te calmer. Oui, il va me défoncer, je pense. Hein. Allez. Ah, putain, je l'ai battu, mais vraiment sur le fil du rasoir. Hein. On a pu entendre le bonhomme qui fait Round One Fight, qui a fait Great. Ça veut dire que j'ai battu mon adversaire vraiment sur le fil du rasoir. Quoi. Il me restait un tout petit morceau de vie. Voilà! Hop, une petite chope! Et bam, je lui casse le bras! Et ce qui est assez impressionnant, c'est que cette prise-là de Jin que je viens de faire, là, où il lui casse le bras puis il le met au sol, c'est un coup qu'il a toujours. Et si vous jouez à Tekken 6, qui est sorti dernièrement sur les consoles dernière génération, PS3 et 360, vous allez pouvoir voir qu'il a encore ce coup-là. Donc c'est. Oh là là, je me suis fait battre, voilà, je fais que parler. Et du coup, je me fais battre. You lose, continue. 8. 7. Ouais, on va quand même continuer, on va pas se laisser abattre. Ça va pas, oui. Donc on recommence le combat. Heureusement, on n'est pas sur bande d'arcade, donc... Parce que vous savez, sur bande d'arcade, vous mettez une pièce, puis dès que vous avez le game over, hop, il faut remettre une pièce pour pouvoir jouer. Donc, bon. Heureusement, on est à la maison, sur console. Donc on peut continuer autant que... qu'on le souhaite. KO. Allez, je vais le défoncer, moi, le petit chinois. Boum, boum. Ça, c'est beau. Ça, c'est des coups qui viennent tout droit des gènes du père du personnage. Pour ceux qui connaissent Kazuya. Et voilà, on a battu le petit chinois. Nous sommes au niveau 6, stage 6. Il y a 10 niveaux, il me semble, à faire. Oh là là, là j'affronte King, qui est un champion de catch. On a pu le voir, il m'a contré directement un coup pour m'enchaîner ensuite directement après. Et bam, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau, je peux vous dire qu'à l'époque, ce... Même aujourd'hui, je trouve ça encore beau, quoi. C'est fou. Bon, il y a des petits enfants qui vont rigoler, qui vont faire « Ah, ça, c'est beau, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ?»
C'est moche comme jeu. Oui, mais à l'époque, c'était... Oh là là. C'est super beau, quoi. C'est de la 3D quand on fait des... Voilà. Vous avez vu ça, cette prise de catch, là, une... je sais pas comment on appelle ça, une souplesse. On appelle ça dans le catch. Bam. Oh là là. Regardez-moi ça, ces angles de caméra en 3D qui tournent autour des personnages quand il y a une chope. Ça, c'est fou. C'est fou, à l'époque, on n'y croyait pas, quoi. Regardez-moi ça. Oh, le contre. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça, le replay. Il me fait un petit coup de poing. Je lui chope le bras. Je le retourne par terre. Et crac. Ça, c'est beau. Jin versus Xiao Yu. Voilà, c'est elle dont je vous parlais. Qui est l'un des nouveaux personnages de la série de l'époque, en tout cas. À l'époque, c'est un nouveau personnage. Maintenant, c'est un personnage qui est évidemment récurrent. Mais à l'époque du troisième épisode de Tekken, c'était un nouveau personnage avec un nouveau style de combat. Par contre, je serais incapable de vous dire lequel c'est. Bam! Regardez-moi ces niveaux, c'est beau quand même. Il y a des niveaux de nuit, de jour, dans la rue. Là, on doit être, je sais pas, c'est apparemment une fête foraine, je dirais. Bon, elle est peut-être pas très complète, mais bon. Faut pas abuser, on est quand même sur PlayStation. Il n'y a peut-être pas, assez de mémoire vive pour pouvoir afficher une tonne de choses, mais c'est quand même très joli, je trouve. Ouh là là, j'ai commencé un combo sans le faire exprès, mais je ne l'ai pas continué. Hein, donc un combo, je rappelle, c'est un enchaînement de coups. Oh ! Jin versus Paul. Paul Phoenix. Paul Phoenix qui est l'un des personnages l'un des premiers comment dire, il vient du premier Tekken lui. Oh, cette musique est énorme. Oh non. Ouf. Oh là là, moi je prends trop de risques, alors qu'il me reste peu de vie, du coup bah, je me fais battre. Pouf, il m'a défoncé. Et je sais que j'ai perdu. Allez. Ouh là là, j'ai réussi mon uppercut, mais en même temps il m'a touché. Oh là 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 là, il m'a défoncé. J'ai tenté le diable et il m'a eu. Ouais, comme quoi je suis pas si bon que ça, hein. Allez, tu vas prendre. Tu vas prendre cher. Allez. Il va me défoncer, putain, mais oh. Eh. Je veux quand même pas me laisser faire. Allez, on se reprend. C'est tendu, je peux vous le dire. Moi, je suis tendu comme un string, là. Allez, un partout. Final round. Oh là là, le perfect. Ça, c'est beau. Je vais se regarder. Puis les cris sont énormes quand tu bats un adversaire. Fait... Oh ! On sent vraiment la souffrance dans ce jeu. Qui est un jeu quand même... Un jeu brutal, un jeu violent, hein. Oh. On ne rigole pas avec ça. Allez, là j'affronte mon grand-père, enfin mon grand-père, le grand-père du personnage que je contrôle, c'est Heihachi. Heihachi, c'est lui qui a créé le tournoi Tekken. Alors Tekken, ça veut dire quoi? Ça veut dire The King of Iron Fist Tournament. En gros, c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? The King of Iron Fist Tournament. Ça veut dire le roi... comment dire? Le roi des tournois...
3 The King of Iron Fist Tournament. Le roi du tournoi des points de fer, en gros. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Le roi des tournois des... ça veut rien dire, en fait. The King of Iron Fist Tournaments. Ça veut dire le roi des tournois. Le roi du... The King of Iron Fist Tournaments. Le roi du tournoi des points de fer. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Jin versus Ogre, ça c'est le boss final du jeu. C'est le méchant du jeu, Ogre, dans ce Tekken. Allez, je vais me le faire. Oh là là. Oh là là. Ouh. Ah là là, il m'a défoncé. Pour ceux qui connaissent un peu la série des Tekken, on peut remarquer que le personnage que j'affronte là, le boss Ogre, il a quand même quelques coups de... il me semble de Baek dans Tekken 2 ou alors de Lee. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble que si. S'il y en a qui pourront me confirmer éventuellement dans les commentaires de la vidéo ou quoi, c'est avec grand plaisir. Là on a pu voir que Ogre s'est transformé en True Ogre. Et que c'est devenu un monstre énorme que nous battons avec succès. Et là normalement j'ai terminé les 10 combats du mode arcade. Et on finit avec une petite vidéo cinématique. Voilà, Jin Kazama a battu Ogre. Et il se fait tirer dessus. Et là, c'est son père qui l'a assassiné, on va dire. Enfin, son grand-père, pardon. Et il fait « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un de mes soldats a été projeté contre le mur !» Et là, Jin se révolte et se transforme en ange noir des ténèbres, si on peut dire. Et il s'envole vers la lune. On voit quand même qu'il a voulu sauver son... Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était Tekken 3, sorti à l'origine sur PlayStation. Dead Player pour vous servir. Merci à vous et à très bientôt.